Hello, bienvenue sur votre chaîne de santé et de remèdes maison préférée. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouvelle ou nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, il n'y a que de belles choses par ici. Pour celles et ceux qui font déjà partie de la communauté, je vous remercie et vous invite à aimer cette vidéo. Et pensez aussi à appuyer sur la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos à temps et découvrir toutes nos astuces bien-être à base de produits naturels. Aujourd'hui, nous allons voir un super remède de grand-mère pour éliminer toutes les douleurs articulaires. Vous serez très surpris de la simplicité et de l'efficacité de cette recette. C'est pourquoi je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'en ratez pas une miette. Les douleurs articulaires constituent un grave problème pour des millions de personnes dans le monde. Elles sont généralement provoquées par le vieillissement, mais également par des carences nutritionnelles qui peuvent nuire aux tendons, aux ligaments et aux articulations. Heureusement, nous avons pour vous une bonne solution pour soulager vos douleurs articulaires avec un remède tout simple à réaliser avec des ingrédients naturels chez vous. Il vous faudra tout d'abord le zeste d'un citron. Le citron peut être utilisé de différentes manières, comme vous le savez, il peut être ajouté à de nombreux plats ou boissons pour donner une saveur acide. C'est un fruit très polyvalent qui offre de nombreux avantages pour notre santé. Toutefois, la pulpe du fruit n'est pas la seule à être bénéfique. Selon les experts, lors de la consommation de citron, nous devrions également inclure son zeste, c'est-à-dire la peau, car les bienfaits du zeste de citron sont qu'ils contiennent jusqu'à 10 fois plus de vitamines que l'intérieur du fruit. La peau contient également du calcium, du potassium, du magnésium, du bêta-carotène, ainsi que d'autres minéraux et vitamines susceptibles d'améliorer votre santé globale. Le zeste de citron est aussi riche en vitamine C et en flavonoïdes. L'ajout de cet ingrédient dans vos plats améliorera la santé de vos articulations et réduira le risque d'arthrite et d'ostéoporose. Mais privilégiez cependant des citrons bio pour utiliser un zeste sans pesticides. D'après une étude sur ce fruit, il a été démontré que la peau du citron a des propriétés anti-inflammatoires. Elle a permis en laboratoire de réduire l'inflammation chez les souris atteintes d'arthrite et de douleurs articulaires. L'étude a également montré l'efficacité des pelures d'autres agrumes, comme l'orange et le pamplemousse, en tant qu'éléments thérapeutiques efficaces dans le traitement des inflammations aiguës. Comme second ingrédient pour ce remède, il vous faudra de l'huile d'olive. L'huile d'olive possède de nombreux avantages pour votre santé, grâce à sa haute teneur en acides gras monoinsaturés et à sa richesse en polyphémol. D'innombrables études ont démontré ses effets antioxydants, anti-inflammatoires et anti-cancer grâce au polyphémol. L'huile d'olive, alliée à la peau de citron, forme un cocktail détonnant pour combattre les douleurs articulaires. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'huile d'olive, de citron bio, vert ou jaune selon votre préférence, et d'un grand bocal en verre. Épluchez le citron et réservez les morceaux de son écorce. Mettez ses pelures dans le bocal, puis versez de l'huile d'olive jusqu'à ce que les pelures soient recouvertes d'huile. Refermez bien le pot et placez-le dans un endroit sombre et frais pendant 2 semaines minimum. Il faut que le citron infuse bien dans l'huile. C'est après 2 semaines que votre mélange sera prêt. Pour l'utiliser, vous aurez juste besoin d'un tissu propre que vous tremperez dans le mélange pour l'appliquer sur les zones douloureuses en cataplasme pour réduire la douleur et l'inflammation. Laissez-le au moins 5 minutes et vous obtiendrez les meilleurs résultats si vous utilisez le mélange avant d'aller vous coucher. L'huile d'olive a un impact significatif non seulement sur l'inflammation chronique, mais contribue également à la diminution des symptômes d'arthrite. D'après une étude réalisée au Brésil en 2005, l'huile d'olive, combinée aux extraits de citron, semble réduire les marqueurs inflammatoires et réduire les douleurs articulaires ainsi que la raideur matinale chez les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec vos proches. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé cette recette ou si c'est nouveau pour vous. N'hésitez pas à donner votre avis et à partager la vidéo pour que ça touche un maximum de personnes. Likez et commentez. Si vous avez aimé notre vidéo, alors abonnez-vous pour rester informé de tout ce qui se passe par ici. Et pensez également à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec le compte Rose Mooney Fashion et notre page Facebook Passion Passion. Pour celles et ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, laissez un emoji citron en commentaire pour que je sache que vous avez tout vu. Merci beaucoup et à bientôt dans une prochaine vidéo.